You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. De retour pour ces StarCraft 2 Nation Wars 4, bien sûr, mes amis, je suis en compagnie de TKL.
Et qui a sorti la veste. Et qui a sorti la veste, effectivement, mais tu as sorti la petite chemise aussi qui te va fort bien, qui te saille le muscle comme ça. Quelque peu froissé de par une utilisation peu fréquente, oui. Je l'avoue. Certes, mais l'essentiel c'est qu'aujourd'hui elle soit présente pour ces Starcraft 2 Nation Wars 4. Tu vois, la preuve que tu as pris des épaules, c'est quand la couture ne tombe plus au bon endroit, tu vois. Exactement. Et là tu sais que tu vois, la salle de sport, tu travailles bien. Ouais. Et là tu te regardes dans le jeu, tu fais. Et donc on enchaîne avec Corée contre Croatie. C'est ça. Et on en parlait en off. Nous n'allons pas faire de langue de bois, Coca. C'est peut-être le match le plus court de ces Nation Wars 4 auquel on va assister. Sauf énorme surprise, la line-up de la Croatie, qui comprend donc deux Terran et un Zerg, va juste faire de la figuration. C'est ça. Non, mais une line-up composée de Ptak, le Zerg, Oogway, le Terran, oui, et Blask, le Terran. C'est ça. Et donc, bien premier sûr. Premier match, vous le voyez ici. Voilà, Blask contre Bjorn. Alors, vous n'avez probablement jamais entendu parler de Blask. C'est bien normal. Si vous en avez entendu parler, vous êtes vraisemblablement Top Master et vous l'avez rencontré parce que lui est l'OGM. Voilà, c'est à peu près l'idée. Sinon, cet homme n'a pas de statistiques à Ligue du Lac. Il ne fait pas de go fort, ne fait pas de match officiel. Tout ce qu'il fait, c'est du ladder. Et en face de lui, il a Bjorn, champion du monde de StarCraft. Et qui fait 400 000 games, qui fait vraiment plus de ladder que lui, en plus des compètes. Donc alors à partir de là, c'est vrai qu'on va attaquer un moment un petit peu complexe. D'ailleurs, ces drapeaux ne sont plus vraiment d'actualité, et je me propose de les ranger. Exactement, et si jamais on veut nous amener le drapeau sud-coréen et le drapeau croate, ça sera ma foi fort avisé. Mais dans tous les cas, le seul qui devrait rester debout à la fin, ça sera le drapeau sud-coréen. Oui, d'ailleurs, tout à fait, on n'a pas fait d'animation pour ça. Mais ouais. L'écroulement des Kiwis et la Norvège, eh bien, qui se dresse fière face au vent du Nord. Comment il s'appelle la montagne dans Game of Thrones, c'est un Norvégien, non? C'est bien possible. Je crois que c'est un Norvégien. Norvégien ou Islandais, je crois. Islandais. C'est les Islandais qui sont des géants tout à fait. C'est ça. Alors sur Twitter, j'imagine que les hashtags ne sont plus les mêmes, bien sûr, forcément. Oui, bien sûr. Ça sera KORK. OR win, c'est ça. Pour supporter la Corée, hashtag core win et hashtag c'était quoi pendant le, bon je sais plus, c'était HZW je crois, un truc comme manière, ça. Est-ce que vous allez vraiment l'utiliser? Oui. Ok. Moi je veux faire un tweet. Tu es prêt à donnez-moi le hashtag et je fais un tweet pour supporter la Croatie. Est-ce qu'on peut donner le join Lumilune, bien sûr. Merci à toi pour ton sub. Si on peut avoir le hashtag de la Croatie le raccourci n'est pas croc, tu vois. Normal, ça aurait fait un amalgame avec la bière. Enfin, c'est gros problème. Non, mais parce que la Croatie, ça se dit peut-être pas Croatie en croate simplement. Oui, il y a de fortes chances. C'est probablement tout simplement ça. C'est ça, c'est comme Tchèque République, tu vois. Ouais, voilà. Nous, on est tchèque, tu vois, mais pas tchèque. Ça n'a rien à voir. Rien exactement. À voir. Première map, Vani, si je comprends bien notre petite asset, Wally. Vani, du coup, en TVT. Bon, ça ne devrait pas changer grand chose. Ouais. J'ai peur pour Blask. J'ai peur. C'est pas une map où tu. C'est une map où tu te prends des Reapers. Parce qu'on le disait tout à l'heure aussi, on se disait, je sais pas, Bjorn, il peut faire soit il va mettre du temps à le buter, soit il va faire 3 Reapers, tu vois. Ouais. Et sur Vani, il y a moyen de micro-gérer 3 Reapers sur 3 racks. C'est ça. Tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Donc, petite frayeur pour Blask. Ou lui, justement, qui se dit, oh, je vais faire mes Reapers et je vais être meilleur que Bjorn à la micro. Peut tenter ça aussi. J'ai envie de dire. Il y a du ping des deux côtés, donc il y a moyen que sur une interaction d'early game, Bjorn ne prenne pas un avantage monstrueux. Go Nation Wars 4 Noël hype at the office to the gaming Coca au gaming Stéphane Ponfait, bien sûr. Tu te mets lourd au boulot, toi. Hein. Grave. Autant pour moi, Tude, vous étiez pas top. Je change de pièce, ça sera mieux. Nice. Ah oui, c'est parce qu'il avait un écran sur lequel on était un petit peu écrasé. Oh là, il est où lui? Bah, il est en Pologne. Mais il est au bureau. Au bureau. Et je suppose qu'il est au bout. En vrai, c'est son setup home. Genre, saucisse quoi. Le mec, il a 4 écrans et un PC portable pour le 5ème. Ouais, mais quoi. Si au bureau il assume aussi comme ça d'avoir 5 écrans consacrés à un autre job, faut. Voilà. Ah bah, là, un an après m'avoir acheté C2 avec Nation Wars 3 où je captais rien, c'est l'heure de Nation Wars 4. Et bien oui. C'était il y a que un an. C'est ça, même moins d'un an, hein, si on se réfère par rapport à la finale qui se déroulait le 3 janvier du coup de 2016. C'est la game qui est déjà commencé avec en bas à droite de la map le représentant croate Blask. Il a avec un drapeau qui a pris un petit coup sur le côté là. T'as vu, il y a un petit peu une forme d'œuf de Pâques un peu là, le drapeau là. Et opposé à lui en haut,
on n'aura pas le temps de le présenter, mais pour la team coréenne, il s'agit de Byun. Bien sûr, son alias Speak Now, puisque les deux joueurs jouent sur NA, tout simplement. C'est ça, sur le serveur américain. Mm-hmm. Et du coup, comme on le voit, pas de proxy hein, de la part de Byun, qui joue une forme de petit respect quand même hein, ici. Pas de risque qui est pris. C'est ça, exactement. Et on a le même BO des deux côtés. Ça sera Reaper et Lion. Alright. Et c'est un BO qui demande. C'est un style de jeu qui demande une grosse micro, simplement. Donc on va voir si Byun est si supérieur que ça, tu vois. C'est-à-dire que même avec ses unités, il est capable de tuer un joueur nettement moins bon. Clairement. Après, on est sur Vahani, donc il y a un wall B1 qui t'empêche de mourir trop vite quand même. C'est ça, c'est un petit peu la sécurité, un peu la capote quelque part du joueur Blask. Ça lui évitera de se prendre une énorme saloperie dans la tête. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'accident qui arrive. Ok, les Reapers qui sont en train de se terminer de part et d'autre. Et on. Enfin, c'est pas déconnant du côté de Blask. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Sakoka? Ça va dire qu'il va nous faire normalement un spatio juste à côté. Ok, donc Banshee Ouais, tout à fait. Ou Corbeau, mais je dirais plutôt Banshee. Et là, Cyclone ici, d'accord, c'est intéressant. C'est marrant l'évolution du Cyclone, enfin l'intervention du Cyclone dans le match-up, parce que c'est vrai que j'étais parti sur mes Lions encore. Mais non, quand tu fais double gaz maintenant, c'est parce que tu fais Cyclone. Tu fais Cyclone complètement. Le Cyclone, qui d'ailleurs en forme d'anti-air n'est plus vraiment intéressant. Non, mais contre un Go Reaper. Ça reste intéressant. Ça reste quand il y a peu de Reaper. Quand il y a beaucoup de Reaper, ça devient tout de suite moins intéressant parce que les mines font que tu décolles et tu n'as pas le temps de poser ton DPS. Parce que mine de rien, t'as vu le Cyclone, il commence à tirer et le DPS met un tout petit rien plus de temps à arriver. Ouais. Du coup, c'est vrai que quand tu te fais notamment constamment décoller par les mines, il a pas trop le temps de taper l'engin. Par contre, c'est vrai que contre 3-4 Reaper, ça fait extrêmement mal. Hein. Le Cyclone, ça nettoie. Alright. Et la Banshee Claw qui est envoyée très 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 rapide de la part de Blask. Il fait ça sur une base. Et il peut peut-être réussir à surprendre. Maintenant, je vois un Tech Lab, je vois un Spatio qui va se finir grosso modo sur le même timing. Donc, sûrement un Corbeau en production de la part de Byun. On va la jouer défensif là-dessus. C'est ça. Et les deux joueurs qui, de manière générale, jouaient défensif. Hein. Toutes les unités ont été gardées à la maison jusqu'au moment là où on voit un petit Byun qui sort son Reaper. Pour l'instant, ça va être un Viking qui va être produit. Ce qui en soi peut aider à gérer la Banshee. Mais il va falloir ne pas être déconnant au niveau des scans. Attention, il voit tout. Il voit tout avec son Reaper, il le perd instantanément. Il l'a, t'as vu bien, il a annulé son tank pour lancer le Viking, pour relancer le tank, pour être sûr de l'avoir à temps. Ça, c'est bien vu. Est-ce qu'il va envoyer une Imbe? Oui, voilà, l'Imbe qui tombe, qui va pas empêcher d'envoyer la station orbitale cependant. Donc voilà, c'est très bonne gestion de la dépense du minerai de la part de Byun. Là, il annule des units, il les reproduit, il s'arrange comme il peut pour être sûr d'avoir ce qu'il faut pour ne rien perdre face à la Banshee. C'est très bien fait. C'est ça, ici le Reaper de Blask qui l'emporterait si c'était pas micro-géré, mais on est face à Byun, donc forcément il y a micro-gestion. Et de manière assez intéressante, Blask qui enchaîne sur un Corbeau. Alors je me trompe peut-être, mais habituellement sur un opening Banshee t'en fais deux. Là, est-ce que c'est parce qu'il joue dans le noir? Alors le problème, c'est parce que là il a été vu très tôt quand même. Ouais. Et donc tu peux te douter qu'il y aura les deux tourelles en position, qu'il y aura les deux Vikings, peut-être le Corbeau même. Donc ça serait un gros investissement de faire une deuxième Banshee. Autant partir sur un Corbeau qui, toi, te permettra d'accumuler un petit peu d'énergie pour un possible PDD sur des fights Viking contre Viking. Oh. Tendu. Okay. Voilà, tu vois, là ta Banshee, elle est même pas encore arrivée, qu'elle a déjà perdu des points de vie. Les tourelles sont déjà prêtes, donc vraiment faire une deuxième Banshee. Oh, attention! Oh, la Blast, il a déconné. Ouais, et là, il s'est vraiment posé au milieu du SCAD entre les Marines et le Viking. Ça a été terrible. Du coup, Blask qui a un énorme retard sur sa B2 et qui va devoir assumer une position défensive, donc avec ce fameux Corbeau que tu évoquais et le potentiel PDD. Mais non, il décide de sortir et de continuer à maintenir la pression. Une pression qui va être difficile à appliquer, puisque comme on le disait, il y a ce fameux wall au niveau de la B1. Ouais, non, voilà, c'est ça. Ça va être compliqué de tuer très rapidement pour Byun. Maintenant, on se doute bien qu'à 11-12 minutes de jeu, il aura accumulé 15, 20, 30 de pop de plus que son adversaire, de par une micro absolument démentielle. Et pour le moment, on est en train de traverser la carte avec un petit Corbeau, un petit Cyclone. Et on va venir checker rapidement ce que fait Byun. Peut-être réussir à gratter un Marino 2, hein, pourquoi pas. Ouais, éventuellement, on verra ce qu'il en est du côté de Blask. Pour l'instant, Byun qui est en train de réparer son Cyclone. Le Cyclone qui pourrait prendre la fight contre la tourelle. Et la tourelle pour l'instant, elle qui fait un énorme DPS sur la ligne de VCS. Dans le gaz, déjà deux VCS qui sont tombés. Le troisième qui ne tombera pas car la tourelle est morte. Les unités qui sont en train de se fighter. Le tank qui est en mode siège dans la rampe pour Blask qui fait pas mal de dégâts, notamment qui a tombé le tank de son adversaire. Mais les Vikings restent maîtres des airs. Et avec le soutien du Cyclone et de la tourelle, on va nettoyer ça. Ça va être la tronche hein, le truc de Blask, mine de rien. Il a tué il a tué le tank de son adversaire, il lui a pris tous ses Marines. Donc si jamais Byun avait un projet en tête, eh ben, il est complètement reset. Et Blask a posé sa B3 pendant ce temps là
Blask il a son 3ème CC, ce qui n'est pas le cas de Bion. Regardez, il le lance maintenant. Je trouve que Blask est dans une bonne situation dans la game par rapport à Bion là. Ouais, très clairement, hein, il va vendre chèrement sa peau et déjà met un peu en difficulté le joueur coréen effectivement. Ceci étant dit, on a cette armée là qui arrive. Une armée qui peut faire très très mal à la ligne de minerai, cette armée aérienne, puisque les Vikings ont des dégâts augmentés contre les VCS. Ouais, 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 clairement, ils two-shot, ils trishot ou two-shot un VCS, je crois. Donc ça, c'est plutôt rapide et surtout, ça a une sacrée vitesse d'attaque ici. Voilà, on gère bien la défense de la Xel'Naga pour Bion parce que on veut pas montrer qu'on est en train de traverser la carte sur la tourelle qui va tomber sur le. Il se pose un peu loin du tank et du coup ça pourrait laisser le temps à Blask de réparer ce fameux tank. C'est le cas, le Viking qui meurt ici, ceux qui sont posés au sol, le tank qui va finir par mourir, mais ça a coûté 3 Vikings et donc la domination aérienne de Bion. Ah ouais, là je suis vraiment surpris de l'application de Bion ici. J'aurais apprécié qu'il se pose sur le tank, qu'il foute une tourelle dessus. Exactement. One shot du tank, t'as 5 Vikings posés en face, il y en a 5, t'as déjà ta tourelle de corbeau et t'es super bien dans la fight. Maintenant là c'est marrant, il s'est donné un petit peu. À voir comment il enchaîne, hein, Bion. Pour l'instant, il a posé sa B3 sur le slot et Blask n'en a toujours pas profité. Et Bion est devant au récolteur. Donc, mine de rien, bah, in fine, j'ai envie de dire, Bion est mieux dans la game que Blask. Mais ça. Ça, c'est parce que c'est la macro. Quoi. Ah ouais, clairement, hein, la macro de Bion est exemplaire ici. Tandis que Blask, là, quelques petites ressources accumulées. À voir ce qu'il va en faire, le bon joueur croate. Ici, comme c'est mis en lumière, bah, beaucoup d'unités qui ont été perdues de part et d'autre, mais beaucoup plus de gaz au final du côté de Blask. Ouais, 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 clairement, il a perdu des unités plus chères avec son premier push, notamment où il y avait un corbeau, un cyclone, un tank. Ça fait beaucoup, attention ici, il prend deux shots de cyclone ici. Des petites erreurs, hein, Bion qui doit peut-être s'habituer au ping ou un petit peu adapter ça, son style de jeu à ça en tout cas. La tourelle de détection qui a bien été placée de la part de Blask au niveau de la B3. Donc pas de surprise de ce côté là pour le joueur croate. Et attention, le PDD qui va tomber. Et là ça a tapé en premier du côté de Bion en plus de ça. Donc la domination est totale, il va falloir compter sur le couvert des Marines qui ne subissent pas le PDD. Ici les Marines qui ont pris quelques coups de tank. Il veut pas y aller Blask, hein. Blask il veut pas prendre cette fight. Attention ici, oui c'est pas mal fait, le corbeau qui tank pour Bion ici. Par contre les Marines qui ont fait un bon job. Et mine de rien c'est Blask qui prend l'avantage aérien là dessus. Peut-être un peu overconfidente Bion, ouais, Bion. Peut-être ouais. Des petits moves qui mine de rien pour l'instant ne payent pas, ouais. Là le Viking qui va tomber, mais ça va coûter un Viking également à Blask. Ça clairement Blask, je suis pas sûr qu'il avait le droit de perdre ce Viking gratuitement comme ça. Finalement il reset son avantage aérien. Ici oui on le voit à droite, toutes les upgrades 1-1 qui se terminent en même temps des deux côtés. Donc ça c'est propre. Maintenant qui a posé son armurerie, qui ne l'a pas posé? Bion là son armurerie. C'est ça. Et va pouvoir enchaîner. Blask aussi on le voit plus un des tanks. Blask est joue bien en vrai, hein. C'est pas dégueu, hein. Je m'attendais vraiment à avoir des erreurs plus grossières que ce qu'on a vu jusque là, alors que bah comme tu le disais au niveau des upgrades c'est vraiment pas mal. Bon on n'a pas encore le sel 2-2 mais on vient de le faire, mais je m'attendais par exemple à avoir une armurerie un peu délai ou ce genre de choses, mais non c'est très très bien géré de la part du joueur Terran croate. Ouais non le seul bémol c'est que voilà à un moment il avait 3 CC contre 2 et il est resté à un nombre inférieur de SCV, ce qui est quand même dommage. Bon maintenant c'est vrai que t'es sous pression, hein. Mec, tu joues contre Bion, t'oublies des tours d'SCV, hein, c'est normal, tu vois, c'est comme tout le monde, il n'y a que Dark qui joue parfaitement face à ce mec-là. Et là, attention, là, l'idée siège, il va peut-être sortir deux Medivac, une masse de Marines tout à fait décente, mais là, il y a Bion qui va prendre la position stratégique de Vanny derrière les cailloux, derrière les broussailles un petit peu, derrière ce trou dans le vide. C'est ça, et heureusement, on avait le petit Marine de map control qui a permis de prendre l'information, du coup, les tanks qui sont déjà en mode siège du côté de Blask et qui force Bion a reculé après s'être mangé quand même deux coups de tank sur l'un de ses propres tanks, donc le mettant forcément très très vulnérable même face au shot des Marines. Non, la bonne nouvelle pour Bion là c'est qu'il a réussi à glisser une deuxième factory dans le délire. Attention ici, oh là là Blask, je suis pas sûr que t'aies le droit de prendre cette fight. Le joueur croate ici qui est venu s'empaler complètement, un groupe de Marines supplémentaires, il va venir tout prendre. Et là c'est l'erreur de la part de Blask qui s'est siege un peu trop tard, qui a perdu tous ses Marines, qui perd un nouveau tank, qui continue de perdre des unités, et là absolument pas assez de Viking pour protéger l'intégralité de ses Medivac. Il en perd un et derrière se replie derrière son tank, mais le Mawashigiri est total. Ouais non là il a pris tarif, et comme on disait voilà il a glissé une deuxième factory, il y a un quatrième CC sur le splat qui se termine. Ouais. Bion qui a pris l'ascendant, on le voit à la population et on va le voir encore plus d'ici 2-3 minutes de jeu, ça va s'accentuer très 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 largement. Et c'est dommage Blask, le rêve s'éteint petit à petit déjà. C'est ça. Le réveil va pas tarder à sonner. Après ce fut quand même un sommeil d'une bonne durée, une bonne petite sieste, hein, ça aura duré plus de 10 minutes quoi qu'il arrive. Donc c'est toujours un peu positif, je veux dire, moi si je dure 10 minutes contre Bion, j'y repense avec nostalgie, tu vois. Ouais c'est vrai.
Une fois, j'ai fait une game de 25 minutes contre Bly où il m'avait banning boss pendant 15 minutes et j'ai survécu. Nice, j'ai fait une game contre Bly il y a pas 3 jours et ça a duré 7 minutes. C'était pas drôle. C'était pas marrant. C'était pas drôle du tout. Il y avait des proxy hatch. Le bon Bly. Ah oui, en plus, Bly. Il a pas respecté. Mais il respecte rarement les joueurs nuls, Bly. C'est ça le problème. Mais il respecte même rarement qui que ce soit, c'est ça le pire. C'est vrai. Et là, voilà, on le disait, la pop qui a pris son envol, plus 42 pop pour le joueur coréen de la team experte. Il va lui rouler dessus. Là, va y avoir une concave à clic. Meurt. Ça va être rapide. Ouais, dans l'idée, ça pourrait être ça. Ceci étant dit, on a quand même le 3-3 qui est en train d'arriver du côté de Biano. Ok, attention ici, on rentre dans le goulot d'étranglement. On se met en mode siège avec les tanks. Les marines qui arrivent au contact les uns des autres. Il n'y a pas assez de tanks du côté de Blask. Et les marines qui certes sont à upgrade équivalente, mais qui sont moins nombreux du côté du joueur croate. Qui cependant trade bien en marine contre marine. Le problème, c'est vraiment sa colonne vertébrale. On l'a dit, une deuxième factory qui a permis à Bion d'accumuler plus de tanks. Et le joueur croate, lui, qui en a bien moins. Et ouais, non, plus de marine pour le joueur coréen ici. Du coup, il peut pas enchaîner, ce qui est frustrant. Ça fait deux fois d'affilée où il tombe l'armée de son adversaire, il garde tous ses tanks, mais il perd tous ses marines. Du coup, il peut pas enchaîner, c'est vachement frustrant. Et là, il aimerait bien prendre la position sur la gauche, à mon avis, au niveau des buissons, mais Blask qui veille au grain. Oh, il va pouvoir faire. Non, dommage. Ouais, le Stanky Boy, ce n'est pas passé. Et voilà, on se faufile, on steam. On va positionner les deux tanks. Ouais, et là le reste de l'armée qui devrait suivre, les tanks qui se sont unsage en partie pour gérer les marines et Blask qui n'avait juste pas assez pour rester en vie face au champion de la BlizzCon, GG well played. Super bien joué de la part de Bion ici, qui nous a fait douter un peu quand même, je trouve. Ouais, il y a eu des petits moments de oh, mais c'est pas si bon que ça. Qu'est-ce qui se passe là? L'écart n'est pas gigantesque, c'est parfait. Voilà. Et à droite, mais Blask c'est propre aussi. C'est ça, clairement. Donc maintenant, à voir, est-ce que du coup Blask a été envoyé en tant que joueur le moins fort, genre sacrifice au dieu du sang pour bénir ses camarades qui sont un peu plus forts, ou est-ce que c'était réellement plus fort et c'est pour ça qu'on a truc serré? Est-ce que dans ce genre de cas, tu veux pas quand même envoyer le joueur le plus fort parce que tu te dis peut-être qu'il a pas les doigts chauds? Tu fais un calcul d'horaire, tu te dis bon, en Corée on commence à être tard le soir. Est-ce que justement, dynamique inverse, vu qu'il y a l'horaire, tu dis j'envoie mon joueur le plus fort en dernier, comme ça peut-être que suffisamment de temps sera passé. Toutes les logiques fonctionnent. C'est tu ça. Regardes tu regardes son historique sur ses différents comptes coréens et tu fais bon là, il a 52 games dans les pattes, il a les doigts chauds. On va lui en mettre deux de plus de games, comme ça peut-être qu'il commencera à fatiguer. C'est ça, peut-être. Et ensuite on pensera après à Innovation et Zest, parce que rappelons voilà, il y a Innovation et Zest qui attendent juste derrière en train de chauffer leurs mains comme ça. C'est ça. Alors comment Zest avec un regard tout à fait sadique de comment je vais les éventrer. C'est ça. Innovation, une impassibilité sans commune mesure du il faut faire des games et gagner. Oui monseigneur, et voilà. C'est ça, because I'm innovation, tout simplement, pour le joueur Terran. Maintenant, on va voir, je pense que la performance pour la Croatie, ça serait déjà de prendre une game Nation Wars 4 ici à l'école 42, ça bosse dur, oulala, Ronan. Et Jean-Kévin derrière qui faisait très plaisir. Ouais. Semaine avant Noël, trop calme au taf, merci de m'occuper. Shadow Meon, Nation Wars Hype. Voilà, hashtag Corwin, bien sûr. N'hésitez pas à faire comme Lorgar, à nous envoyer le score que vous imaginez et votre winner. Voilà. C'était. Bon, par contre, Lorgar, t'aurais pu nous mettre une petite photo de ton setup. Hein. C'est ça. Quel slip tu portes, la taille de l'écran. Est-ce que tu regardes avec tes enfants? Voilà, hein, Lorgar qui est notre producteur. Donc des bisous à lui, bien sûr. Non, pas trop parce que c'est hippique. Hein. Il a une barbe un peu de rue, tu vois. Il a une tête de loutre en fait. En plus. Moi je l'appelle la loutre. Mais c'est vrai qu'il a vraiment une tête de loutre. Il ressemble à une putain de loutre. Que je lui dis ça, il a ajouté dans ses descriptions Twitter loutre do gaming. Non, les femmes de coca ou loutre d'apprivoiser de coca ou un truc comme ça. Et il a complètement craqué. Et c'est ptac. Alright. Ptac, le ptac. Pterodactyl, tac. Ouais, ouais, c'est pas sorti. Tac. Le joueur Zerg, du coup, de la line-up croate. Ouais. Donc, pareil, en off, on se posait la question est-ce qu'il va mourir sur un coca build ou sur un Bion build, hein, comme toi tu l'as dit? Parce que coca n'appelle pas le coca build un coca build. Non, j'appelle ça le Bion build. C'était un troll au début qui est parti tellement quick que je suis revenu sur le nom d'origine. Ouais. En fait, je sais pas si c'était le Bion build. Moi, la première fois que j'ai vu ce BO là, c'était en TVP, sur le ladder, mon ami Le Morse qui m'avait montré des mecs qui lui faisaient ce BO-là, c'était assez démocratisé sur le Top Master en TVP. Et Bion a commencé à le démocratiser en TVZ. Et du coup, ça s'est appelé le Bion Build. Mais
Je sais pas d'où ces mecs-là en TVP l'avaient vu avant. Ça se trouve c'était de Bion, ça se trouve c'était un autre. Le truc c'est qu'il suffisait vraiment juste d'une Lefeng ou d'une cup chinoise ou Bion ou alors Maru jouait et le mec il fait une game et. Et la première fois que je l'ai vu en pro, c'était Bunny contre Elazer sur la map LOTV où t'avais les deux bases comme ça, t'avais des cailloux qui était ici, il y a un passage par le bas. Je sais pas si ça te dit quelque chose avec des cailloux aussi là. Est-ce que c'est pas les Rilak? Non. Les Rilak? Non, c'était pas les Rilak. Hmm. Les Rilak c'était 4 spots. Ouais. Ah, c'était une 2 spots? Ouais. Orbital Shipyard? Non plus. Non plus. Bon, c'est pas très grave. Non, pas très grave, effectivement. Et donc, du coup, ouais, il était. C'était Bunny qui avait sorti ça sur le premier truc compétitif que j'avais vu. C'était peut-être. Je sais plus quel compétitif. C'était Bunny, le joueur danois ou ouais, le danois, ouais, le danois. Ouais, okay. Ouais. Donc, et il avait stompé Laser. J'ai fait, c'est trop bien, j'avais fait, j'avais gagné, et j'étais trop, trop bien. Et puis ensuite, j'ai fait dans les 3 match-up, ça marchait trop bien. Trop bien. Et puis, je suis arrivé 300ème du ladder. 67ème Master Europe en faisant que ça, dans solide. Tous les match-up. Et puis ensuite, beaucoup de gens commençaient à le faire ce truc-là, voilà. Et là, j'ai perdu en continu, je suis redescendu dans les limbes. Ouais, quand tu as arrêté de gagner sur les 14 premiers marines, voilà, et que du coup, il fallait une adaptation qui n'était pas forcément encore démocratisée pour le coup. C'était pas très clair encore. Donc, ce qu'il fallait faire après. C'était limite all-in tout début du build. En fait, c'est juste que c'était pas très clair ce qu'il y avait à faire derrière. Donc, T'étais censé tuer quoi. Ouais, ensuite il y a eu plein d'openers différents avec l'ajout d'une troisième Rax ou de trois Rax directement double libétant ou une troisième CC double upgrade. Il y a eu plein de trucs, tu vois. Le follow-up avec un minivac qui ramène une mine et 6 marines. C'est ça exactement qu'on voit plus en ce moment. Ouais. Donc il y a plein de trucs différents, mais c'est vrai que moi j'appelle ça du coup le Beyond Build parce que bon, c'est quand même lui qui te gère au mieux sur Terre, j'ai envie de dire. Est-ce que tu recevais des MP de haine de Coca? Est-ce que t'as pas honte de voler? Non, pas du tout. Par contre, j'ai reçu des MP de mecs qui m'ont fait alors t'as inventé un BO qui était des mecs qui jouaient plus au jeu mais qui me disaient ouais, à la fin qu'il y avait des mecs que j'entendais Coca Build. Alors je me suis dit que t'avais inventé un BO, je faisais non, MDR, je l'ai volé. Parce que c'est vrai, tu vois. Ah oui, bien sûr. J'avais rien inventé, moi. Bon. L'essentiel, c'est de dire la vérité. En fait, l'histoire marrante, c'est que j'ai fait ce BO là comme un gros débile pendant un mois dans tous les match-up, tu vois, et que ça marchait. C'est ça l'histoire. Oui. Et pour ça, on appelle ça le Coca Build d'ailleurs. C'est quand Funka, toi et tout ça, vous le dites ça, c'est pas parce que je l'ai créé, mais c'est parce que j'en ai abusé comme un énorme enfoiré. Et ce que je trouve presque marrant en fait, c'est qu'on soit encore en train de parler du fait que c'est pas toi qui l'as inventé pour les gens, pour que les gens comprennent bien. Ça fait quoi, 8 mois tu vois. Ouais, c'était en mai, pendant que je révisais mes partiels, je faisais ça. C'était en mai quoi. Ouais, donc ça fait facilement 6 mois et les gens sont encore, mais c'est pas Coca. Mais oui, non, les gars, on sait bien. Il y a plein de mecs, pour ceux qui se posent la question, il y a plein de mecs sur les groupes SC de France, sur Facebook, sur les forums. Ça rage tellement et ça c'est bon ça quand même. Mais les mecs sont ouais, c'est pas Coca, lui c'est un scandale, lui c'est rien, il est nul à chier au jeu, rendez hommage à Bion, mais ferme là mais c'est trop marrant, c'est très très marrant. Ouais, effectivement. Du coup, foutre la rage comme ça aux petits haters qui pensent qu'être puriste c'est plus valable qu'autre chose, et c'est très drôle aussi. Exactement. J'allais faire une comparaison, mais je pense que c'est une comparaison pas bien à faire. Si, vas-y. Mais c'est sur les puristes et sur des gens au Moyen-Orient qui sont puristes. Donc, tu vois pourquoi je l'ai pas fait. Du coup, en plein échec noir, ce n'est pas adapté. Non, c'est pas adapté du tout. Sur un vieux cast aléatoire d'une soirée de Gauntlet, par exemple, oui, mais là, non. Ou sur un show match Stefano contre Daichi au Meltdown. Ça a du sens, mais là, non, en plein échec noir, je ne le prends pas. Non, pas pour ces StarCraft de Nation World, bien sûr, la game numéro 2 qui a l'air d'être partie pour se lancer. Ptac contre Byun. Et en bas à gauche pour la team coréenne et la team experte, il s'agit de Byun. Oh, gas first. Au calme. Holy shit. Ok, gas first. Est-ce que c'est pas le build d'innovation? Le build cyclone. Sûrement. Sûrement, il va lui faire deux cyclones comme ça, là, sans respect. Même 4, non? Il en fait 4, je crois. Ouais, c'est même Lyon, cyclone. Et Howard Watt, le joueur Zerg pour la Croatie. Septac. Va-t-il réussir à survivre? Est-ce que c'est un réceptac? Oh, adepte de la pun. J'apprécie. Tu dis l'excité. Tu dis l'approuve. Blague validée, salaire augmenté, Coca satisfait. Ouais, c'est ça. Ouais. Alright, on va voir du coup s'il propose le Inno Build. D'ailleurs, je crois qu'il y avait eu un débat l'autre jour de savoir si on nommait ce build le Coca Build 2. C'est vrai. Ouais, en mode. Vu que ça a l'air d'être le nouveau standard, est-ce qu'on ferait pas chier tout le monde? Mais ça, le Coca Build version 2. C'est ça. Et du coup, je crois qu'il y a eu ce tropole et tout, mais je me rappelle pas des résultats. Il y avait d'autres options, genre le Pepsi Build. Ça serait pas mal, hein. Ouais. Juste pour continuer justement juste pour créer des topics sur les forums. C'est ça.
Non mais là, alors là, il y a un forum sur Battle.net, il y a un topic Funka point d'interrogation de 19 pages. What the fuck. Où en fait, il y a un mec qui rage sur Funka. Deux mecs lui répondent et ensuite ça part en couille, ils mesurent tous leur pénis en disant mais moi je suis bien plus fort que toi, mais ceci, mais la race est pétée, mais voilà. Et c'est parti en chat, mais le topic s'appelle Funka, du coup moi je lui ai dit oh mec ça rage de ouf sur toi, sur mes nets. Alors que pas du tout. Le topic, les bons topics de caster, évidemment, toujours une source d'entertainment illimitée. Premier Reaper qui part du côté de Bion. On va voir quelle forme de dégâts il est capable de trouver, sachant que Ptak est parti sur un opening tout à fait standard et devrait avoir ses 4 Zerglings à la réception qui pourraient temporiser l'arrivée des Queens et donc la fin du dégât potentiel de ce Reaper. Maintenant, tout est question de micro. Exactement, tout est question de micro. Hein. Les cyclones, en fait, parfaitement gérés, c'est increvable. Ouais. Ça fait des dégâts monstres. Par contre, c'est vrai que ça peut se faire se rendre, ça peut se faire prendre des coups de pile et ça peut crever relativement rapidement. Et c'est l'Innobile, du coup, hein, tu l'as dit. Deuxième Factory qui est envoyé. Cyclone et Lion en production. C'est ça. A priori, on commence par de l'Elion hein, dans ce build-ci. Du coup, des Elions qui vont effectivement commencer à arriver. Tandis que bah, j'ai presque envie de dire erreur du côté de Ptak qui en fait va chercher son spillover. Et vous pourriez dire mais oui mais comment il fait pour scooter sinon? Et ben autrement j'ai envie de dire Zergling ou drone comme tu veux. Mais dans l'idée si tu dépenses ton gaz pour le speedover, bah potentiellement c'est tes roches que tu pourras pas sortir pour défendre. C'est ton T2 ou c'est ton bending nest. Ce genre de choses dont tu vas avoir besoin parce que tu défendras pas au full gling contre Elion Cyclone. Ouais c'est clair que ça va devenir très très compliqué. Ou allez merci à toi pour ton resub l'ami. Je peux pas dire qui. Mais voilà. Merci à toi, l'inconnu. Merci. C'est bien aussi d'être remercié quand t'es un inconnu. Tu vois, pour quand t'as fait une œuvre de charité pour la masse qu'on ne connaît pas mais qu'on te dit merci, tu vois. Et parce qu'on sait que tu as fait du bien. C'est à ça, l'humanité. À l'humanité, à la société, ouais, c'est ça. Ici, double cyclone en production et double Lion sur l'autre facto. Ouais. Est-ce que tu rajoutes une armurerie? Non, ça coûte cher en gaz après. Hein. Mais je crois qu'il y a des joueurs qui le font, hein, qui font un follow-up Elbat. Maintenant, la question c'est est-ce que Bion aura besoin de le faire ou pas? Pour l'instant, Ptak, qui n'avait aucune idée de ce que c'est, ce qui se profilait à l'horizon, on voit une absence de B3, information très importante. Ça veut dire en théorie qu'il va y avoir plus de défense disponible du côté du joueur Zerg. Là, on a vu la première Queen. Ok, le Roach One qui a été posé du côté du joueur Zerg. Le T2 en train de se terminer. Donc, que des bonnes petites nouvelles. Maintenant, on produit beaucoup de cyclones du côté de Bion. Pas tout à fait autant que ce qu'on pourrait, puisqu'on pourrait les produire 4x4, mais ça va arriver soon. Ouais, ça va arriver assez rapidement. Là, il va y avoir un énorme push à part d'innovation. Plus pénible de quand il n'y a que deux bases parce que du coup t'as qu'une entrée possible hein. Tu peux moins brain en déplacement ton adversaire. Attention les glings tu veux pas les donner quand même un peu trop rapidement. Et les deux premiers cyclones qui arrivent. Et là c'est parti on rentre dans taille. Il y a zéro transfuse hein. Il y a zéro transfuse disponible effectivement. Les queens qui sont en train de faire tant bien que mal. Le DPS sur un premier Elion qui pour l'instant reste en vie. A le temps de mettre des shots supplémentaires. Un premier Elion qui va finalement tomber. La suite qui devrait arriver grâce au roche derrière. Les queens qui sont restés en vie malgré leur vie très très basse. Et pour l'instant on repose du côté du joueur Zia qui va même prendre un cyclone. Ouais c'est pas dégueu hein, ce qu'il est en train de faire en défense Ptak ici hein. Franchement super clean, il y a sa Spire en production et attention hein. Attention à pas se faire surprendre bêtement Bion ici. Ouais ouh. Bah surtout que pour le coup. Allez, faut choper le drone par contre, faut pas laisser la hache se poser. Et Lion Cyclone, je veux dire en entière, c'est clairement de la merde hein. Donc si Ptak arrive à sortir des mutas, il y a moyen d'amener quelque chose d'intéressant pour le joueur croate ici qui pour l'instant se fait repousser à l'intérieur de sa B2. La B3 qui a été posée comme vous le voyez sur la minimap et on fait du dégât sur les unités. Mais Ptak qui veut juste temporiser ses roches supplémentaires et qui va choper le surround. Le surround il est propre ici, les roches ici, le cyclone qui meurt, il se fait reset sur le compte de cyclone. Et mec, il y a des idées. En fait, le problème aussi de la prod de Bion là, c'est qu'il est sur deux facto avec réacteur. Il n'a pas d'antière à part les mines. C'est ça. Ou les cyclones qui sont quand même un piètre antière, on va le dire. Ouais, 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 c'est dégâts d'asthmatique, clairement. Donc là, il est pas bien du tout, Bion, en termes de bâtiment de production. Bah, c'est et ça. Et combien de. Y a, là, oh. C'est 7 hydras, hein. C'est 7 mutas qui sont envoyés. Oh, oh là là. Holy shit, est-ce que t'as pas un croate sorti des enfers. Des enfers qui va simplement éliminer Bion. Bah ça, je veux dire là ça paraît probable. Enfin si je vois pas une IB lancée maintenant et j'ai envie de dire que maintenant c'est déjà 30 secondes trop tard, je vois pas comment Bion empêche 30 VCS de mourir tu vois. Après là t'as beaucoup d'unités qui traversent la carte. Je sais pas s'il a reproduit des unités autres que les mutas. Mais il va partir au trade phase là non. Ah non il revient. Non mais par contre faut pas défendre. Ah il est obligé de défendre avec les mutas hein.
Ok, du coup pour l'instant on va avoir les mutas du côté de Bion et savoir que ça va être la merde qui va falloir lancer des trucs à la maison. Les cyclones qui sont en train de target fire, tous sur le même muta. Un muta qui va tomber parmi les 7. C'est une bonne opération au niveau du contre-muta de la part de Bion. Maintenant le reste de son armée s'est fait intégralement rect et à la maison on doit survivre en fait. Ouais non là faut traverser la carte hein, pour Ptak. Allez c'est parti poulet, on voit tout. Ptak, c'est le moment d'aller lui éclater la tête à base de Roach et de Mutalisk. Plusieurs attaques sur les mutas qui est recherché, faire des drones aussi. Là, drone. Moi, je pense qu'il faut qu'il drone pendant ce temps-là. Ouais, ouais, ouais. Parce que si jamais tu te fais reboot, tu seras content d'avoir 70 drones sur 3 bases. Attention ici, il y a deux pauvres cyclones, on rentre directement. Ok, maintenant il y en a 4. On produit les cyclones 4 par 4 du côté de Bion qui a directement poulé VCS pour pouvoir réparer son armée mécanique. Il part full méca, le joueur Terran. Il a rajouté une factory et en train de produire ses tourelles. Il est en train de temporiser. Et mine de rien, l'hésitation de Ptak qui pouvait payer pour le joueur coréen. Ici, l'engagement qui a pris les mutas qui sont directement au-dessus des VCS et qui essayent de choper un maximum d'unités tandis que les VCS se fight contre les roches. Les cyclones ne sont pas en train de target fire sur les mutas. On répare la tourelle. Est-ce qu'il est pas en train de le faire ici, le joueur coréen qui essaie de tenir avec seulement 2 cyclones qui sont target par les roches? Mais j'ai l'impression que ça tient easy pour Bion et je suis désolé, même s'il tue 20 drones, 20 SCV, eh bien il en a toujours autant que son adversaire Zerg. Ouais. Et ça, bah, c'est dommage pour Ptak hein, parce que mine de rien, il était pas loin. Mais là le dégât, c'est pas mal de soulever la B3 quand même, mais les dégâts je sais pas s'ils sont suffisants honnêtement. Bah, il fait que des units, il fait pas de drones, Ptak. C'est ça. Il fait des Zerglings 0-0 contre des cyclones. Bah là, il a l'air de sentir sa chance maintenant. Est-ce qu'il la sent réellement bien ou est-ce qu'il se trompe un petit peu? Bah, le doute est permis, surtout avec le plus en attaque qui va se terminer et le plus en attaque sur les cyclones au sol. Bon, ces Zerglings, ça va être une boucherie quoi. Bon, attention, la prise de fight, c'est parti. Il est en train de taper Caillou, il a perdu masse DPS, Bion. Il a perdu tellement de DPS, il se fait nettoyer ses cyclones ici. Tous les VCS le caillou sauveur de Croix. What? La Croix est sauvée par un caillou. Le misclick. La Croix est sauvée par un caillou ici, Bion, qui a perdu toutes ses unités des rôles, des ravageurs dans la B2. LOL. Le caillou. Le caillou, putain. Toujours casser ton caillou. Toujours. Il faut le péter, le caillou. Il a perdu sur un caillou. Yes. Tous les pronostics donnés sont faux. Tout peut se produire dans ce Nation Wars Coca. La Corée ne l'emportera pas 4-0 face à la Croatie, t'entends? What the fuck, oh, c'est... Ptak, il a gagné sa game, il a fait... C'est ça. Mais en même temps, mais c'est normal, mais c'est Bion. Maman, j'ai battu Bion, maman. Oh putain, c'est incroyable. N'hésitez pas à tweeter vos réactions, hein. Hashtag NW4. Et si vous voulez changer votre prono, c'est maintenant hashtag HRVWin, bien sûr. Si vous pensez que Ptak va emmener la Croatie jusqu'à la victoire, tout est possible maintenant. Viens là, Innovation, viens là. Et casse ton caillou, moi je déconne zéro. Surtout que c'est sur le build d'Innovation. Imagine, il se repasse la même chose. Là c'est la hype, merci pour ce cadeau de Noël. Keep it up yourself, Varlan, merci à toi. Non mais c'est incroyable. Moi j'ai ramené mes potos, la clique des cailloux. On casse des bouches comme ça, tac tac. Nous on est détenus américains, pétage de cailloux, pétage de dents, t'entends. Wouah. Non, c'est... Ça n'a aucun sens. Aucun. It doesn't make any sense, mate. Non. En tout cas, Ptak revive. Obligé. Ouais. Ah bah clairement, c'est clairement le MVP de en 3-3 contre Bion. Ptak. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est le deuxième pronostic donné. Parce que nous, on a une fiche de pronostic entre casters. On vous affichera bien sûr. Là, on a tous tout faux. On a tous mis 4-0. Tous. Les Français, les Anglais, tous ceux qui ont vu le doc, on a tous faux. Mais normal. Mais en même temps, celui qui mettait 5-0 la France déjà en finale contre la Corée, c'était un débile. là, celui qui mettait 4-0 pour la Croatie, c'était aussi un débile. Bon. Ouais, mais clairement. Mais après, tu sais, même 4-1 pour la Corée, personne ne l'a mis. Je ne sais pas quoi dire. Mais Pichou, 971. À part merci. Merci à toi. Merci à toi, Pichou. Alright. Et du coup, il me semble que nous allons nous orienter vers un commercial break d'ici quelques instants. Et on vous retrouvera juste... Ah, on révèle le player. Le player envoyé par la Corée. Exact. Sera-ce Innovation ou sera Zest? Bonne question, ça. Je sais pas. En tout cas, ça se jouera sur Wind de Seras. Très marrant, ça. Absolument pas. Tu qui réfléchis, dans la métagame actuelle, peut-être que Innovation aurait plus sa place. En même temps, après, c'est un Terran qui vient de perdre. Et c'est un Zest. Moi, Zest, mec, je le sens bien là, avec une pince dans chaque main, faire.
Ici si je tire là, ça fait quoi? C'est ça, il va. Est-ce que le croate souffre de la même manière que le sub-top coréen dégueulasse? Et ben, c'est ce qu'on va déterminer avec Zest et avec du coup Ptac juste après le commercial break. On vous retrouve dans 2 minutes 30. Et nous sommes de retour sur Game TV pour la suite de ce match Corée du Sud contre la Croatie. Oui. Quel est le score, Coca? Un partout, les gars. Un partout. Il y a un roc, un caillou. C'est ça. Un rocher, une pierre avec une résistance. C'est ça. Sans commune mesure. Une montagne. Non mais... qui a tanké le monde le temps que Ptac clairement dérouille chacun des cyclones de Bion. Non mais finalement, est-ce que le remplaçant de l'équipe croate, c'est pas Dwayne Johnson, quoi? The Rock. Oh, c'est pas mal ça. Eh oui. Je m'inquiète. Enchaîne, j'aime bien. Non, mais clairement. Blague suivante. Blague suivante. Fais-moi rire. Non, mais c'est clairement ce caillou qui change tout pour Bion, qui se trompe hein, et qui, mine de rien, à plusieurs reprises, fait des toutes petites erreurs de micro-gestion pendant ces deux games. Et là, bah, c'était l'erreur qui faisait chier parce qu'en fait, c'est le moment où tu tapes sur un caillou qui. Bah, a pas mal de points de vie et mine de rien met du temps à être cassé par ces cyclones qui perdent 15-20 secondes de DPS. C'est énorme. Ouais, peut-être pas 15-20 mais le temps de se faire buter en fait, oui. Simplement hein. C'est énorme. Et mourir ça ne prend qu'une seconde, Coca. Bah, ça dépend comment. Si on t'arrache le bras et qu'on te laisse comme ça, c'est vrai. Tu mets du temps. Mais si on t'arrache la tête, c'est vrai. Mais il paraît que si on t'arrache si la tête est suffisamment coupée nettement, il y a 6 secondes pendant laquelle ta tête perçoit encore les choses, tu vois, genre t'es vivant dans ta propre tête pendant quelques secondes. Sans rien, quoi. Sans rien, voilà, par le sang dans ton cerveau. Donc en soi, t'as juste une douleur au cou, quoi. Ouais. La question, c'est est-ce que c'est une grosse douleur? Et là, apparemment, on a une vidéo pour Nation Wars 4 about a year ago. Non, ok, on va pas jouer la vidéo, très bien. Mais en tout cas, continuez à envoyer vos tweets, n'hésitez pas à nous partager vos émotions. Parce que c'est ça l'histoire. Parce que là, elles doivent être massives, vos émotions. Hein. Mm. Là, j'imagine, je pense à Théo tout à l'heure avec l'écran de Nation Wars sur chaque écran, tu vois, il devait être là. C'est ça. Alors, sur la vidéo. The gravity. Marine Lord just 5-0'd South Korea. What the fuck just happened? Oh my god! Best regards, dudes! C'était de la bière? De la bière ou un soda, mais en tous les cas, le mec s'est mis lourd tout seul. C'était l'année dernière. On espère que vous aurez l'occasion de vous mettre lourd. Si vous-même vous avez fait ça, après avoir vu ce match Coréa contre Croatie, n'hésitez pas. Si t'imagines, Ptac, il fait le 4-1. Ah là, mon dieu. Mais hey, mec, si la Corée se fait éliminer dans non, le qualifier. Non mais c'est... Bon, déjà, on perd mec, 50% de notre public. Merci pour ce Nation Wars 4, merci à toi pour ton resub. Non mais. J'ai la rondelle en feu, t'as pas dit le pseudo. C'est vrai, j'ai la rondelle en feu. Un beau pseudo. C'est vrai. Alright, en bas à droite, pour la Croatie, il a gagné une map contre Bion. C'est Ptac.
Et opposé à lui en haut à gauche, pour la team Corée, ancien joueur Katie Rooster, il s'agit de Zest. Alrighty. Bon, j'ai du mal à croire que Zest va perdre. Ouh, et la pause est envoyée. Voilà, petite pause. Les bâtonnets se parlent. Bien sûr, le discours des bâtonnets, le discours finalement des joueurs cachés sur le ladder. Le discours bâtonien même, j'ai envie de dire. Bâtonien, ouais. Alright. Si ça devait être un discours philosophique, ça serait le discours bâtonien. Ça me paraît un peu bateau comme expression. Bâtonien. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant... C'est un discours qui prend l'eau. Ouh. On se noie sous les puns. MDR. Bien bon, sûr. Voilà, du coup, bah, c'est la pause. Hein. Vous devinez bien en tant que caster que quand on t'a fait patienter à dire des conneries, la loupe du détail de Réa sur ton portable caché. Ouais, ouais. C'est ça. Là, c'était caché. Pas comme la viande. Mais du coup, il faut faire attention à ce genre de petits détails. Et effectivement, nous, ça nous embête un petit peu. Moi, j'ai mes trucs rangés là. Ouais, mais t'as bien de la chance. Mais moi, en fait, je pensais être hors champ au début au niveau du truc. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que mon bord de table est limite visible là, tu vois. Moi, alors que ceux, toi, t'as genre 15 cm de. Pour ceux qui se posent la question, j'ai mon téléphone, une canette d'ice tea vide, un petit cup de café vide et une salade César qui envoie du pâté. Mec, elle est super bonne cette salade. Ok, la game qui a repris ici. Et qui est lancé en direct. Ok, la preuve qui vient ici casser un petit peu la récolte du Mineret du côté de Zest. Je suis curieux de voir s'il va tenter le jeu carrière Zest. Parce que ça paraît un peu overkill. Ouais, voilà, c'est ça. Honnêtement, si Zest il met 25 minutes à tuer Ptak, je lui en voudrais un peu quand même, tu vois. Ouais. Moi là, ce que je veux, c'est du salt. Des BO gras où tu détruis le mec en mode tu vois, toi t'es nul. Ou à la fin de la game, le mec il annonce sa retraite sur Twitter. Ouais, c'est ça, exactement. Après, je sais même pas si on peut parler de retraite pour Ptak. Je sais pas si sa carrière pro a commencé, mais. Bah, je veux dire, une fois que t'as pris une game au champion du monde, je pense que tu peux considérer qu'elle a commencé. Quand t'as éliminé le champion du monde, c'est ça. Même, parce que là, en l'occurrence, Bion est éliminé à moins d'un revive, tu vois. Exactement. Sur ce match-là, donc. Il pourrait y mettre sur son CV StarCraft et élimination de Bion. Exactement. Le 21 décembre 2016. Yannette 276 qui just subscribed. Merci à toi. 276, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire comme chiffre? 276, bah ça a pas l'air d'être un code postal déjà, 276, compliqué. C'est pas une date de naissance, parce que sinon il est relativement vieux. Bah février 76, ça arrive, hein. Et tu sais, il y a pas mal de nos subs qui n'ont pas entre 20 et 30 ans, voilà, qui sont plus âgés que ça. Et enfin, big up à eux, voilà. Enfin, les cons, ils sont vieux, MDR. Ah, mort de lol, bientôt la retraite. Ah, la mauvaise idée d'être vieux. Alors, ça pend les tétons, comment <t'es... rire> Je taquine, bien sûr, bien messieurs. Sûr. Big up à vous. Et bien sûr. Pourquoi pas, mesdames, hein, bien sûr. Yannette, ça se trouve, il a 14 ans, hein, il a pas compris la vanne, tu vois. Genre. Ça se trouve. Bah, ah, regarde le caillou, putain, il se fait pas avoir. Voilà, c'est ça, il a vu et il sait que dans cette game-ci, ça ne peut pas être son allié. Très peu redevable, hein, d'ailleurs, hein, parce que bon, il gagne grâce à un caillou et il le détruit quand même derrière. Voilà. J'ai envie de dire mauvais joueur, quoi, mauvais jeu. C'est ça. Mais en fait, je pense que c'est parce qu'il s'attend à se faire bourrer, tu vois. Donc, si tu dois défendre, tu veux péter ton caillou. Ouais. C'est ce que n'a pas fait Bion, tu vois. C'est vrai, Bion était trop confiant. Et là, Zest, pareil, il est trop confiant, il a pas cassé le caillou. Parce que c'est ce caillou-là, finalement, l'ennemi pour Zest. C'est ça, exactement. C'est celui qui a vu trépasser son collègue juste avant. Exactement. Le bon Dwayne, bien sûr. Après, Zest, il est coquin. Tu vois, Zest, je le sens presque dans une fight qu'il est sûr de gagner. Il va attaquer le caillou et ensuite il va tuer la. Il va attaquer caillou, slash dance et gagner la fight après. Voilà, c'est ça. Il est coquin, Zest. Ouais, c'est ça. Et là, oh, et là, on est sur un BO qu'on connaît bien. C'est ça. C'est le droit, par contre, des plus standards. Et avec un truc que Zest a montré de nombreuses fois par ces dernières semaines, c'est en fait sa tendance à faire des doubles walls pour éviter toute forme de coquinerie en fait par la suite. À base de ravageur. À base de ravageur, à base de pourquoi pas de B-Bust. C'est vraiment le truc. Bah, de toute manière, j'ai deux couches de bâtiment. Même si tu mets all-in, tu vas mourir avant sur mon drop. C'est pas mal ça. Et ouais. C'est bien pensé, n'est-ce pas? Et surtout, cette analyse est bien pensée. De toute finesse. Exactement. Aux herbes de Provence, n'est-ce pas? Un petit peu de thym dans cette analyse, tu vois. Est-ce qu'un petit peu de thym dans les salades César, ça serait pas mal? C'est pas mal. Ouais. Hein. Alright. Le Warprisme qui va se terminer sur le même timing que le gate. Parfaitement fait de la part. 2 Zest à 4-25, le Warprisme qui part et on pourra warper les DT en cours de route une fois que la Dark Shrine sera terminée. Et d'accord, on pose l'espoir crawler pour l'instant, B2, pas B3, pas B1. Il va peut-être faire un vigilant dans la B1 et une sport dans la B2, j'imagine c'est le plan pour
pour Pac, tac, pardon, pour Pac crever sur les DT. Et là, Zass, il fait what? Ok. 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 En même temps, avec une B3 plus tard, tu peux peut-être un petit peu mieux te défendre. D'ailleurs, ici, le vigilant est terminé et pourrait permettre à terme de se défendre. On va voir quelle est la micro de Zass ici qui récupère immédiatement le DT qui a perdu un petit peu de bouclier et qui devrait se replier un peu plus loin pour pouvoir poser eh bien, des archontes dans ce prisme. Il va falloir fusionner les DT. Et pendant ce temps-là, bah, on va prendre la B3. Allez, pause de B3 pour Zest, on va morpher les archons, on se fait suivre un petit peu par vigilant, on se fait embêter comme ça. C'est bien joué de la part du joueur Zer, comme ça on peut pas morpher ses archons en scred. On est obligé de montrer où est-ce qu'on le fait. Et du coup, bah, prendre le risque de perdre un de ses archontes sur des unités qui sont censées trouver à proximité. Mais du coup, Zest qui retourne directement avec CDT, qui ne va prendre qu'un Zergling et l'essentiel de la vie sur un roche immédiatement transformé en ravageur pour le régénérer. Putain qu'il défend tout à fait honnêtement. Alors après, bon, il a pas pris de risque, il a joué sur deux bases, ce qui est quand même bien pensé, tu vois, quand tu dois envisager tes limites de défense, enfin tes capacités, on va dire, en défense. Donc c'est pas mal fait de vouloir rester sur deux bases. Moi j'arrive pas à lire l'écriture de Tude. Hein. Ouais, Tude il nous envoie un mot avec des petites lettres là, mais. Tude il écrit pire qu'un médecin, tu vois. Viens, on lui fait des doigts. C'est ça. Eh, Tude ? Bon, il ne voit pas. C'est ça, ils sont pas des couilles. Je pense qu'il a fait, l'ignorant un petit peu. Il nous a ignoré. Ça fait un truc de plus stocké à gauche de mon bureau. Attention ici, grosse prise de fight de la part. Mais attends, mais Zest il est pas au top là. Zest il est pas du tout au top ici. La régression qui est en train d'arriver. Avec il va falloir romper des unités. Il pourrait choper le vigilant, choper quelque chose ici en tous les cas. Il est clairement en train de se faire bourrer par Tac qui pourrait ici tenter de ramener le deuxième point pour la Croatie. La B3 qui subit l'assaut du Roach Ravageur all-in de la part de Tac. Il est question de base qui doit tuer sur son build. Les builds corrosifs qui sont balancés mais qui ne touchent absolument pas si ce n'est le bouclier de l'immortel. Attends, mais là il a perdu tous ses DT. L'archon. Il se fait OS. Non, il se fait récupérer plutôt. Ouais. Non, il s'est fait OS. Ah non, il s'est fait OS. L'archon s'est fait OS. Il n'y a plus qu'un immortel comme unité qui vaille le coup d'être évoqué dans cette armée de Zest. Les Stalkers n'ont pas le lick. Oh mon dieu! Escoptac ici est en train d'aller chercher le deuxième point pour la Croatie. Il est en train de bourrer Zest, le joueur qui est tiré au sort gagnant de la première saison de GSL. Ok, Photon Overcharge, c'est fort, ça tient. Mais la B3 pourrait mourir. Non mais attends, mais... MDR. Mais mec, il a pas reposé de pylône, ils sont blink là, on le voit, et le blink il est pas fini. Non, le blink de Tac, il va perdre sa B3, le moment encore. Non. Okay, oh, il manquait une bille. Il y avait pas assez de ravageurs et on va perdre la B3. Là il faut mettre le prisme, il a mis le prisme pour terminer le blink. C'est ultra smart de la part de Zest qui va du coup pouvoir terminer ça. Et avec le blink devrait venir la victoire. Puisque là je vois pas comment est-ce que tu tiens. Petite contamination sur le robot. Allez, attention ici, il faut envoyer les billes sur le pylône du fond là. Bah, s'il arrive à tout désactiver les gates et tout, il se met super bien le haut, mais. C'est le cyber. Si je chope le cyber, il n'y a plus de stalker, c'est que des zilotes qui n'auront pas la charge. OMG. Oh là là, mais putain, il fait mal. Putain, fire. Putain, il a 40 de drone, il en a rien à carrer quoi. Et là, 105 de pommes sur 100. Tac est clairement pété. Et pété du slip. Complètement pété du slip et du brain. Non, mais là, alors par contre, il a plus de vigilant hein, sur son armée, faut qu'il fasse attention parce que c'est pour ça qu'il est supply block, c'est qu'il a perdu ses deux vigilants. Donc du coup, bah, le truc c'est que des DT ça pourrait calmer un petit peu le délire quoi. Ok, non, c'est que des zilotes qui ont été warpés ici de la part de Zest. La Dark Shrine elle est encore en vie. On attend un immortel Zest qui s'est replié complètement sur sa B2 et pendant ce temps l'attaque qui a pris B3. Cette B3 pourrait être un peu contestée par le Warprism donc avec les zilotes, mais on a déjà produit des Zerglings qui vont bientôt bénéficier du plus en attaque. Et je pense que ça va être très 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 difficile de retarder en fait, de même de détruire cette couveuse. Non mais regarde, il refait des unités, hein, il refait pas de drones, putain qu'il en a rien. C'est ça. Ah mais les drones c'est pour les faibles. Il en a refait 5, il en a perdu 4, donc voilà du coup. Ah bah t'en as un de plus, voilà. Bon après ils évoluent du coup tous les deux sur un compte de drones équivalent. Il y a vraiment juste cette B3 en différence et le potentiel d'agression avec le Warprism. Mais une fois que la Spire sera terminée, ce Warprism sera condamné à mourir. Allez, attention ici, les Zélotes qui n'ont pas le plus un d'attaque, hein, qui font pas énormément de dégâts. On le voit ici, l'Army Size, oh là là, qui est largement à l'avantage de Ptak. Il fait plus de dégâts. Il fait. Ouais, il a juste plus d'unités. Il fait mal, quoi, avec ses unités, là, hein, depuis tout à l'heure, Ptak. Et du coup, il se retrouve dans une situation qui est relativement confortable face à Zest. En face, c'est que des Stalkers. Mais qu'est-ce que c'est que du Stalker? Bah, qu'est-ce que du c'est du Stalker zéro d'attaque, c'est quoi un Stalker zéro d'attaque? Bah, c'est de la merde. C'est de la merde. Bah, surtout sur Sentry et surtout bah, face à un compte de Zergling qui a beaucoup augmenté. Et les Zerglings, comme les Roach et les Ravageurs, vont bénéficier du plus en attaque. Et il va y avoir 10 fucking mutas. Oh là là. Et putain,
qui me plaît, putain. C'est Epta qui tue Epta qui me plaît de fou, mais oh, mec. Là, il est magnifique. Qu'est-ce que c'est que cette game? Il est luisant, il est sublime. Ah, il est clairement luisant. Il est une bonne larve, Allez, fais-moi les 10 mutas, voilà. Oh là là. Bon, après, c'est des mutas, ils pourront pas prendre une faille contre les stalkers. Non, mais clairement, c'est... la seule défense à la maison pour l'instant, c'est le Mothership Core. On a tout juste posé la forge. Ouais, ouais. Oh, il les voit toujours pas, la Spire. Oh, aïe, catastrophe, quoi. Ah, ok, on récupère les îlots sans en perdre un seul pour l'instant. DJ Bless 71 qui est just subscribe, ah, bien là, sûr. Il va aller voir. Là, s'il passe par là, il va l'avoir, la Spire. Non, attends. Non, j'ai pas l'impression. Et tous les stalkers sont. Bon, tous les stalkers sont en défensive, ce qui limite est une bonne nouvelle. Ok, là, il les voit. Il les voit maintenant. Et c'est pour ça qu'il s'est mis en défensive. On va descendre les îlots pour essayer de gagner un tout petit chouïa de temps, peut-être. Le prisme qui meurt et les îlots qui finiront par suivre. Tandis que Tude rigole. C'est ça, ferme la Tude. Tude est en train de perturber le stream des Nation Wars. C'est ça. Il y a un professional broadcast. J'espère que Blizzard écoute. J'espère que tu vas mourir. Bon, alors attends, ici c'est des plusieurs d'attaques Zergling. Il y en a beaucoup. Ouais, mais et les attaques Zergling, plusieurs d'attaques face aux Roach, face aux Hydra, aux Stalkers, ça fait mal. Tu m'as perturbé, Tude, fais attention. Attention. Et c'est parti. Il faut des forces parfaites ici. Déjà deux forces qui ne sont pas parfaites. Tac qui a réussi à les bait et qui va pouvoir les briser grâce à ses ravageurs. Les forces qui sont reposées du côté de Zest et on bling back avec les Stalkers, les Immortels et les Sendrick qui essayent de faire le taf. Mais il n'y a pas assez. Où est le Mothership Core? Où sont les Photon Overcharge? Ils ne sont pas balancés. Les Zerglings ont fait leur office, les mutants sont encore en vie, l'Archonte qui meurt, les Immortels qui meurent. Est-ce qu'il y a assez du côté de Zest? En tout cas, la pop qui est relativement serrée, l'écart était similaire avant la fight. Tac là, il a pris tarif hein, quand ouais. même. Il y a les 4 Imo là qui ont plus beaucoup de points de vie, mais qui ont envoyé les bastos qu'on attendait d'eux. Oh attention, attention, ils sont tout seuls, les Imo. Il y a des mutants, mais attention, des Imo. Est-ce que tu bling down? Ok, des stalkers qui ont été warpés sur le côté gauche pour permettre de défendre tes Immortels. Et là, est-ce que tu prendrais pas la fight avant que les Zerglings rentrent dedans? Parce qu'il y a eu 32 pop de Zerglings qui a été balancé. Plutôt 15. Ils arrivent, hein. ils sont dans les œufs, à mon avis, il n'y en a que 30 sur le terrain, c'est pas énorme. Et c'est parti, la Zest, il est confiant, il sort. Mais c'est vrai que Zest, il a réussi à stabiliser complètement la situation. Et maintenant, c'est du 0-0-0-0. Hein, ouais, et bientôt, le plus 2 d'attaque sur les Gling. Ouais. Et ça défonce du Stalker. Ça, hein. ça détruit, hein. ça découpe, ça charcute, ça fait mal. Et ici, la P4 qui se termine. Alors, bon, c'est P4 sur 47 drones, faut pas s'enflammer non c'est plus. Vrai, hein. C'est vrai, c'est ça vrai. Reste une économie qui est relativement petite. Par contre, c'est Muta plus 1 d'attaque là. Ils vont faire mal. Regarde, là tu chopes l'Imo là. Ok, on ne l'a pas chopé. Zest qui réagit bien, qui recule ses Imo. Les Stalkers en première ligne, on a lancé finalement le plus en attaque. Mais là, il va falloir plus de tech du côté de Zest. Ne serait-ce que faire des archontes avec des DT, je pense que ça serait excellent. Ne serait-ce que pour tuer les Zerglings et couvrir tes Stalkers qui, ouais, eux, pourront gérer les mutas à terme. Clairement. Oh là, okay, attention, ici, le blink, on va perdre un, peut-être deux mutas. Non, ce sera qu'un muta qui tombe pour 3 props. C'est worse, hein, entre guillemets. Clairement honnête. Donc pour Ptak, et là, est-ce qu'il va reprendre la faille de front? Il a vu où étaient les stalkers. Ils sont sans blink au niveau de la B2. Est-ce que tu t'infiltres pas dans la B3 et tu démolis tout ce qu'il y a? Et oh, Ptak, il y va! Ah, il y va avec tout ce qu'il a. Tous les arrières qui arrivent directement en front de line contre les stalkers. Les stalkers qui blink back pour laisser les immortels en première ligne. Les photons de recharge qui vont claquer, les archontes qui sont en formation. Les stalkers tentent d'arriver par derrière, mais ils sont retardés par quelques lignes. Ils sont pas en train de taper. Les stalkers qui sont pas en train de taper derrière. La B3 qui en train de se faire rec, Zest qui est en train de sombrer à la population. Alors on a deux archontes qui ont fait un peu de dégâts, mais qui se font finalement détruire. Et là les Zerglings de Dattaque. Mais il a MDR. MDR. Les Zerglings de Dattaque. Il est en train de rentrer en contact. Il est en train de rentrer clairement dans contact des Stalkers. Il est en train de tout charcuter. Plus que 32 pop armés pour Zest. Zest qui va s'incliner. Deuxième point à la Croatie. Ah mon dieu, la Croatie. GG. Oh mon dieu, la Croatie, mec. Qu'est-ce que le fuck? That's the wall, mate! What the fuck? 2-0-2-1 pour la Croatie face à la Corée. C'est impossible! Oh, what the fuck? La Croatie! On reste calme. Innovation arrive. Il y a un arrive. Mec, moi maintenant j'ai peur. Ptak. Hein. Non, mais alors. Moi je sens l'innovation qui tape sur Dwayne The Rock. Hein. Si Ptak te sort la Corée de ton Nation Wars 4. Ah mais ne fais pas de Nation Wars 5, tu vois. C'est genre, ça, genre, juste, arrête. Les gars, je vous dis, c'est fini. Hein. Les mecs, ils se font 5-0 par un castor en finale du 3. Ils se font éliminer par la Croatie au 4. Ne les amène pas au 5 si tu ne veux pas que ça arrive. C'est mort, hein. Non, c'est plus possible. La Corée. J'ai aucune idée. Genre, Ptak,
il fait n'importe quoi. C'est et ça. Les mecs, ils sont du père. Et il roule sa tête sur le clavier. Et comme les gens, comme les Coréens en face s'attendent à ce que Ptak fait ait du sens, bah. Mais c'est vrai, mais ton push Roach Ravageur sur deux bases là, c'est dégueulasse. Bah oui. Mais sauf que derrière, bah tu désactives le pylône qui alimente le Blink. Merci pour le don de 3 euros et dire qu'un de ces deux pays ne rejouera pas après. Et ouais. Clairement ça sera dur pour le pays qui ne rejouera pas, surtout si c'est la Corée, mais ok, innovation bien sûr qui va être le prochain joueur envoyé par la Corée, et après ça on tombera bah si en fait s'il se fait éliminer ça sera le revive, et le problème c'est limite que, tac, on peut le revive aussi. Voilà. Il est vénère. Il est putain de vénère. Non mais surtout tac, il casse des bouches comme mais ça tu vois. Moi je me rappelle du coup de, c'était même pas 30 minutes en off, on est en train de se dire bon et tout de Terran, ça peut être un peu long parce que c'était VT, mais bon là tu vois le Zerg, tac, il va mourir en 10 minutes, build, c'est fini. Ah non. Tac, il élimine Bion, il élimine EOS, Zest, tac. Il a une team à la fin des Nation Wars. Hein. Ah s'il veut se lancer dans le pro-gamisme, il est bon là. Ah, mais je pense que si Team Liquid a un spot open, c'est parti pour Ptak. Hein. Bah ouais, non, mais c'est clair. Premier joueur professionnel full-time. Bon, en ça Croatie, ferait chier d'avoir à commenter régulièrement ces games quand même. Hein. Team Liquid Ptak, rentre au CAC. Bon, c'est moyen, tu vois. Genre, ouais, ouais, non, ça va être compliqué. Ptak, c'est pas facile à dire. Mister Side, allez. Alright. Bon, moi, je deviens fou. Ah, mais clairement. Le pétage de câble est intégral ici. Hein. On est match 2 et ma voix commence à me faire mal. Mais c'est la puissance des Nation Wars. Ouais, c'est vrai. La douleur physique doit être supplémentée par la passion. Oui, allez, on se met bien la là. La petite peluche Yogo là. C'est celle de Yogo celle-là. Ouais, c'est celle de Yogo. Prêt à recevoir les corps en consultation. Si HR win, bien sûr. HRV win. Oh bâtard. En tu mangeant. Quittes le management de c'est gaming. Ça, j'aime bien le gros placement. Tu te quittes le management au gaming de l'article là. En mode full Nation Wars 4, je n'ai jamais été aussi heureux de ne pas bosser en ce moment. Eh ben ça nous fait plaisir, Matou. Ah là là, come on Belgium, oh wait. et dès le double écran avec le stream B, bien sûr, n'hésitez pas si vous avez deux écrans à allumer le stream B aussi avec Yogo et Daishi, Ailey qui sont en train de l'animer. Ouais. Et continuez de nous envoyer vos tweets avec vos modes de viewing du stream au gaming, bien sûr, ça nous fait toujours plaisir. C'est ça. C'est sympa de voir comment vous regardez le setup des gens. Tu vas te rendre compte que ton bureau, il n'y a pas que le tien qui est nul à chier. Mais voir qu'il y a des gens qui ont des écrans de l'infini aussi. Tu vois, c'est ça. T'as vu, il y avait un écran incurvé et tout là. Il y avait un écran comme ça incurvé pour mater du StarCraft. Bah, c'était pas Orphal Non, je crois pas. Ah ouais. Ah bah je sais plus. Mais. Non mais surtout ce qui est cool c'est d'un côté tu sais on rentre un peu dans l'intimité des gens tu vois et c'est sans rentrer dans un côté voyeur tu vois c'est un côté de partage tu vois tu accueilles les gens chez toi en cette période de Noël pour partager ton StarCraft et pour partager ta bouffe tu vois. C'est beau comment c'est en deux secondes t'arrives à dire n'importe quoi. Ouais, ouais c'est sexy. Ouais, t'as vu c'est fantastique hein. J'aime l'improvisation bien, totale. J'ai fait du théâtre. Allez lui je te le laisse là. Allez en haut à droite il a mis deux points à la Corée, il représente la Croatie, c'est Ptak. Et en haut à gauche, il faut qu'il sauve les meubles. Il faut qu'il sauve les meubles parce que là, l'honneur est touché, tu vois. L'honneur est attaqué. Un croate sorti de nulle part est en train de faire de gros dégâts. C'est innovation. C'est ça. Et innovation qui nous a pas fait un gas first. Donc ce n'est pas le InnoBuild. Okay. Moi, je pense qu'il est. Il va faire un coca build, un bien c'est build, ça. Et il va faire safe, tu vois. Il va dire, ok, on arrête de tenter des trucs. Ce mec, c'est un ouf dans sa tête. C'est ça. C'est un grand psychopathe. Est-ce que c'est le premier du ladder Europe? Est-ce que ça serait Nertio qui a pris son compte? C'est ça. Eh bien non, c'est Ptak. Ptak, il est complètement timbré, d'accord. Et donc, bien, là, Innovation, tu sais. Mais moi, je pense qu'Innovation, il est en serrage de fesses massif. Hein. Là, il a des chances, hein. Parce que Zest et Bion, ils ont dû dire ouais, le lag c'est chiant et tout. Et lui, il doit être en mode, mais c'est vrai que c'est chiant, il doit se tourner, il doit tilter, tu vois. Et là, c'est le moment que Ptak choisit pour. Tac ! Pour Ptak, directement dans la tête. Taper directement dans les dents, tu vois. C'est ça. Effectivement, ça prend des airs de Bion build. Donc, les deux joueurs, Inno et Bion, qui ont complètement inversé leurs habitudes et qui, du coup, vont tenter le tout pour le tout. Et pour le coup, le Bion build sur Habitation Station, ça marche très bien. Distance de y a, honnêtement ça marche sur quasi toutes les cartes hein. Bien sûr. Y a pas de carte où il faut pas le faire. Maintenant c'est vrai que c'est ultra safe hein. Là il a scouté Ptak. Bien Innovation je l'ai vu faire beaucoup ça sur son stream. Et quand il tombe face à des sous ou des darks ça se passe très très mal. Maintenant c'est Ptak en face en théorie mécaniquement parlant. Et ça va être moins propre. C'est plus qu'il faut, il faut être prêt à recevoir la coquinerie derrière quoi. Ouais. Tu vois ça va être la Saint-Valentin derrière. Là il va
Ouais, non, je vais dire des trucs dégueulasses. Mais grosso modo. T'as dit Saint-Valentin, j'ai senti le. Ouais, le dérapage. Mais, c'est ça. Voilà, c'est parti pour le Beyond Build, l'innovation qui va nous envoyer son Steam Pack très rapidement, qui va nous envoyer son spatioport. D'ailleurs, il est un peu fail sur sa prise de seconde gaz, là, parce qu'il manque cruellement de gaz dans son truc là. Eh oui. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en théorie, là, t'as 150 de gaz à ce moment-là. Donc il y a un truc qui s'est planté chez côté innovation. Le début de la mort de la Corée, ouais, peut-être. Écoute, il y a moyen ici que la Croatie mène 3-1, ce qui serait dur. Ce qui serait très 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 dur. Je suis pas sûr de vouloir caster la dernière game. Genre démission totale, genre on regarde comme ça. Arrête, les gars, on va tous regarder dans un silence de mort et on va avoir peur ensemble. Et juste après ça, il y a l'annonce de Kim Jong-un de l'annexion de la Corée du Sud, évidemment. Invasion de la Corée du Nord. Non, ça c'est pas marrant ça, parce que je vais en Corée dans 2-3 mois là. J'ai pas envie d'arriver. T'as pas envie de rentrer dans un régime communiste autoritaire? Non, j'ai envie d'aller faire des trucs marrants. Bah, ça sera d'avoir internet, tu vois. Genre ça sera l'occasion d'annuler, de rester pour caster du StarCraft de Hello Gaming. C'est redoubler mon année parce que je suis obligé d'aller à l'étranger. Un régal, merci Kim Jong, ça fait plaisir. Tu négocieras ça avec mes parents le prix de l'année. Allez, attention ici, les Marines qui sont envoyés. Le Steam Pack qui va bientôt se terminer, les deux Medivacs qui sont en production. Et on envoie une eBay pour faire le plus 1 d'attaque. Ino qui fait le classique du classique. C'est ça, maintenant va-t-il. Alors qu'en face, on est sur du T2 de base. Hein. Et, ouais, mais. Putain, c'est un ouf. Hein. À chaque fois, c'est T2 de base. Et ça a l'air d'être reparti du coup pour un push Roach Ravageur. La question c'est, est-ce que le follow-up est encore une fois Muta? Genre, le mec il a un build. Push Roach Ravageur, Muta. Et il gagne toutes ses games contre les Coréens avec. S'il fait ça et qu'il les arnaque tous avec, c'est sublime. Ah, c'est fantastique. Allez, là il va être vu directement innovation par cet over. Milieu de carte qui va complètement. Oh là là, il y a déjà la sport. Mais j'ai peur, Coca. Coca, j'ai peur. Ça va aller, c'est Ino, c'est tranquille quand même. Pas de panique. C'est ce qu'on a dit pour bien des Est. Oui, non mais bien sûr, mais là c'est Ino, tu vois. T'essayes de te rassurer aussi, c'est ça? Ouais, complètement. Non, mais... Attention, la bille corrosive qui est esquivée de manière totale ici, on va pouvoir commencer. Non, mais là, il y a trop de cafards. Hein. Là, il y a beaucoup trop de cafards. Mais mec, il a encore ses 43 fucking drones, mais mec, il respecte rien ce joueur. Est-ce qu'en fait, c'est pas Momo qui a la nationalité croate? Parce qu'il fait autant de drones que Momo, tu vois. Ouais, non mais 40. Là, c'est Momo style. Hein. C'est ça. Oh là là. Donc autant dire que c'est débile et pas très fort, mais putain, ça gagne quoi. Mais ça marche. Et c'est ça qui compte. Non mais surtout que, mec, il y a le troisième CC qui est lancé, il y a pas de tank. Et il y a beaucoup de ravageurs. Oh non. Attention. Ok, Steam directement, canon sur le premier ravageur, mais les billes corrosives qui commencent à tomber, qui sont complètement dodge. Les deux ravageurs qui meurent, le troisième qui pourrait suivre dans la tombe. Bon bah là le ref s'écroule pour Ptak, je crois. Ouais. Là il a perdu la moitié de ses troupes en tuant un Marines. Je veux paniquer là, il peut croître, hein, mais là ça devient quand même très. Voilà, là on nous le montre. 5 roaches de ravageurs pour 5 marines. Je me sens mieux, tu vois. Je me sens plus détendu là, c'est TKL. Ça. Ah. C'est plus ça. Il faut respirer. Est-ce qu'il y a une Spire qui va passer dans la prod? C'est ça la question. S'il y a une Spire qui passe et une B3 ensuite. Bah, on verra. Là pour l'instant, on n'a pas tout à fait les thunes du côté de Ptak. Il est en train de produire des roaches en continu. Full all-in roach ravageur de la part du joueur Zach qui. Bah, j'ai limite envie de dire que là ça n'aurait plus de sens de poser de Spire. Alors certes il a fait des choses qui n'avaient pas beaucoup de sens. Mais contre Bjorn ça en avait un petit peu plus, dans le sens où il n'y avait quasiment pas d'anti-air. Ouais. Alors que là t'es en full marine avec Ninja Ring Bay qui pourrait poser des tourelles à n'importe quel moment. Je pense que le Muta est pas le meilleur call. Ouais, non, clairement il va pas partir Muta je pense. Mais son problème là c'est qu'il a pas de B3 alors que son adversaire a... Un troisième CC quoi. Clairement. Et ça peut poser problème à un joueur Zer quand même. Ouais, et là Bjorn qui la cherche pourtant la B3 hein, qui voit qu'il n'y en a pas. Et qui doit se demander qu'est-ce que the fuck. Mais la B3 qui vient d'être posée du coup au sud du côté du joueur croate, qui va être en retard aux upgrades hein, pour pareil la première fois depuis le début de ses matchs. C'est la première fois qu'il va être en retard aux upgrades par rapport à son adversaire. Ouais. Ah ouais, non mais c'est sûr que son style de base lui permet d'avoir énormément de gaz et de faire beaucoup de... Oh là. What? Misclick. La pression qui commence à rattraper Ptak, j'ai l'impression quand même. Peut-être. Mais là tout à l'heure c'est dommage parce qu'en vrai son push, tu sais, s'il avance pas avec ses unités et qu'il attend qu'il y ait 5-6 ravageurs qui finissent de se morpher, il est super bien et il a vraiment un push qui est vachement propre, etc. Bon là en l'occurrence il a craqué, il a perdu la moitié de ses troupes sans fight, mais ça avait du sens son truc. Mmh. Non, clairement pas un bonobo total hein, le bon Ptak. Et dans tous les cas, quoi qu'il se passe dans ce BO, on pourra saluer l'énorme performance de ce joueur qui a pris deux maps à la Corée
quelque chose qui n'avait pas été reproduit depuis fort longtemps, depuis un an, depuis Nation Wars 3. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, personne n'avait mis la Corée dans cet état, à part Marine Lord, et maintenant, ptac, rentre complètement dans l'histoire de StarCraft 2, en fait. Quelqu'un dirait dans le game du Wesh alors, ici. Oui, dans, tout à fait, dans le gangsta, pas très gangsta rap français. C'est ça. Game, ouais. Dans le jeu ptac, game. Le mec vénère, quoi. Ah ouais, carrément vénère, ici. Bon, pour l'instant, les deux joueurs qui se regardent pas mal en Shunfiance, hein, qui attendent, qui temporisent les choses. Ptac, beaucoup de sens qu'il temporise, puisque lui veut absolument ses upgrades. Du côté de Innovation, on attendait juste la fin du 1-1. On a déjà lancé le 2 d'attaque, l'obus incapacitant qui est arrivé. On va avoir une masse de marines énorme et un compte de tank difficile à contester. Allez, c'est maintenant qu'il faut défendre face aux meilleurs joueurs du monde actuel, je pense, hein, pour Ptac. C'est maintenant qu'il faut faire le taf. Ok, les builds corrosifs qui commencent à tomber. On va avoir beaucoup beaucoup de builds dans Star Maker, beaucoup beaucoup de ravageurs. Mais on a envie de temporiser les upgrades encore une fois. On s'est fait nettoyer tout le creep, donc plus du tout de vision sur le positionnement de l'armée qui est en train de passer par le sud, pour avoir peut-être des accès un peu plus intéressants pour ces unités, éviter de rentrer dans des couloirs d'étranglement trop étouffants. Attention, ptac, ici les bonnes billes. Oh, les billes, oh, ça pleut, attention à pas tout envoyer. Mais il y a tellement de ravageurs. Mais les marines qui se sont fait fondre. Lol. Oh là là, une bonne bille qui tombe de nouveau. Allez, faut aller tirer des billes sur les tanks là. Ouais, faut aller tirer des billes sur les tanks qui eux aussi ont bien rendu. Il avait 10 de pop de retard quand Innovation était à la Xenaga. Et là maintenant, il a 20 pop de plus. Il est en train de rusher directement sur Innovation et lui saute à la gorge. Innovation qui doit retourner. Les billes qui sont en train de tomber du ciel. Les Medivac et les tanks qui meurent. La Bioball qui tient sa position. Bon, mais il a pris beaucoup à Inno. Il a perdu pas mal de ravageurs dans cette histoire, mais mine de rien, il survit. Il survit, il a gardé un creep relativement avancé. Il a remis des creep tumeurs un petit peu sur le nord là. Et c'est chaud pour Innovation de passer maintenant. Hein. Maintenant, tac, il faudrait qu'il enchaîne un peu, voilà, au niveau de. Du développement tech, on est sur un seulement plus 2. Voilà, la B4 qui est posée. Envoyer un Hive avec une fosse d'infest du coup pour pouvoir faire des Vipers. Ça pourrait être intéressant. Tandis que Dominant Buck nous rejoint sur la route to put. Merci à toi, Dominant Buck. C'est ça, le cerf dominant en français, c'est sûr. Qui nous rejoint. Et on va voir du coup si Innovation arrive à retrouver la dominance. Il part vers le nord avec deux Medivac, tandis qu'on voit l'armée massive de Ptac qui passe par le sud. Les tanks sont déjà en mode siège. Du coup, ça risque d'être quand même compliqué, hein, d'agresser cette position du joueur Terran. Allez, gros shot de tanks ici dans les glings. Peut-être un petit steam, peut-être un peu early de la part de Innovation. Faut faire attention à ce que ce genre de choses ne se reproduisent pas trop, qu'il n'est pas. Qui perdent pas en fait trop d'énergie sur ces Medivacs. Allez, ici on voit build, l'armée. Des bonnes builds, tu le prends. Non, attention, on drop dans la B1. Au niveau de la B1 du joueur Zerg, on a quelques marines, c'est tout qui sont droppés. Est-ce que les Zerglings vont réussir à faire le dégât nécessaire? Les spores qui vont se terminer. Ouais. Et il va réussir à presque le défendre, il n'y aura plus beaucoup d'units. Ouais, là c'est une très très bonne défense, hein, de la part de Ptac. Alors, dont on voit peut-être un petit manque de multitask, comme tu l'as dit, les bonnes builds qui auraient pu intercepter le Medivac au sud n'ont pas été faites parce qu'il était occupé à défendre, mais il a défendu. Donc point positif ici pour le joueur croate. Tandis qu'une nouvelle agression de la part d'Innovation arrive et on est en place. Attention, t'es Overlord. Parce qu'il s'est pilé ses propres Overlords. Et là sa B4 qui se fait menacer. Allez, non, ça c'est bon, ça devrait défendre facile. Voilà, on envoie 14 builds pour être sûr que si jamais il y a un survivant, et bien on fasse disparaître son cadavre. Meurs. Et remeurs. C'est disparaît sous être. Bon voilà, tu vois, c'est technique Breaking Bad. On fait disparaître le corps à l'acide. Parce qu'après tout, c'est de la bile corrosive. Et là. Oh, la fight ici pour Ptac qui est pas dégueu. Faut tirer sur les tanks. Il y a beaucoup de tanks exposés ici. Toutes les billes qui tombent. La bio qui est massive, mais qui est en train de se masser sur la gauche. Et il y a tellement de ravageurs à droite. Ptac, il est en train de peut-être défoncer l'armée du genre Terran ici. Ah mon dieu, il a mis tellement de billes corrosives qui ont touché les tanks. Certes, on fait du dégât, mais en ont-ils fait suffisamment de tanks qui étaient en backlane et qui sont en train de tenir leur position aussi. Le premier qui tombe, le deuxième qui va suivre. Est-ce qu'il y a encore des unités de siège du côté de Inno qui se fait ramener quasiment à égalité de pop? Ah, et pendant ce temps, 19 drones. 20 drones sont morts au champ d'honneur. Non, d'accord, c'est vrai. Je me disais, la pop elle est étrange là quand même, mais c'est vrai, il y a beaucoup de drones qui se sont fait fumer par deux Medivacs. Plein. C'est la triste histoire de Ptac qui a fait une défense qui était pas mal du tout, enfin une agression qui était propre. C'est ça. Mais malheureusement, reset le compte de tank pour se faire reset son compte de drone n'est pas suffisante, EKL. Ouais, bah en fait, Ptac qui se retrouve sur une map plus ouverte que peut-être Luxuriance et Echo, et avec plus de chemin d'attaque, notamment pour les drops.
et en fait bah, du coup il a beaucoup plus à défendre là où à l'opposé sur les autres maps il avait réussi beaucoup plus à maintenir sa présence et à forcer l'armée les armées intégrales de ses adversaires dans une seule position. Ouais, et là du coup il est à 40 drones. En fait le mieux ce serait d'utiliser des 800 de minerais là pour balancer 30 drones quoi. Ouais. Mais après j'ai envie de dire ces games il les a gagnés sur 40 drones, non? Ouais, mais son adversaire était pas sur 4 bases avec 120 de pop armés. Non, clairement. Là, on a une innovation qui est sur quasi 200 de pop. Je sais pas si tu peux te permettre. Enfin, il faut gagner la game maintenant sur cette fight. Voilà. C'est ça. Bah, et ça va être une fight à déficit d'upgrade. Il y a le 3-3 d'infanterie qui va se terminer pour le bon Inno, tandis que Ptak va rester sur le 2-2. SC Mouette, bien sûr, merci à toi. La Mouette Starcraftienne, le Ptak Starcraftien. Et c'est parti, si on va essayer de prendre la vision, peut-être voilà, on peut balancer des builds sur le gaz, tu vois, ça c'est du bon haras, c'est de la taquinerie de qualité. Mais là Innovation il a tellement. Enfin là tu vois le nombre de points rouges, tu rigoles quand t'es Innovation. Ah MDR, il n'a rien du tout. C'est ça, je vais le bourrer. Surtout que tu sais que c'est du Roach Ravageur, donc une tech limitée, il n'y a toujours pas de fausse. Enfin si, il y a une fausse infestation parce qu'il y a eu le T3, mais il n'y a pas eu de. Oui. Voilà, ça c'est sexy. C'est ça qu'on veut, ptac. Et vas-y, enchaîne, poulet. Rentre-lui dedans. Mais là, il y a des tanks partout. Ouais, ça va être tendu. Partout. Ok, on arrase au niveau de la gueule. On va choper le bunker. On va choper peut-être quelques VCS. Attention aux shots de tanks qui font très très mal avec le plus 2 qui a été recherché dessus. Et c'est parti ici. Ouais, on fait pull les CV en dehors de la ligne de minerai. On leur met 5. Oh. L'innovation il a l'air super vénère Les mid-back. Ok, le tank sur le high ground qui pourrait mourir. Il manquait une build malheureusement du côté de Ptak. Et on chie du creep sur la tête de ce tank. Manque de respect total. Comme ça on se dit il n'aura plus rien dans la visière et c'est ça. Il va tirer à côté dans les VCS. Malheureusement ce n'est pas un blinding cloud. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans Starcraft 2. C'est ça. Maintenant il faut voir si Ptak arrive à défendre sa V5 qui va se faire complètement détruire ici. Pandalord, merci OG pour cette compétition et cette hype. Ok, ça va être nettoyé. Oula. Ouf. Oh, bah alors là, les builds, il y en a 200 quoi. C'est vraiment pas très fin ce que fait Ptak. Non. Quand il envoie des builds, il en envoie 2, 4, 6, 8. Oh, mais quand des fois, quand ça touche, ça fait des dégâts. Attention ici, il faut en renvoyer d'autres. Il y a beaucoup d'unités terrain de partout. Les splits qui est propre, Innovation qui évite toutes les builds. Et là, il y a 250 000 tanks qui sont positionnés. C'est ça. Et cette armée de full roach ravageur qui pourra ne pas faire la différence. On n'a jamais fait de Viper du côté de Ptak. On a balancé la caverne de Trace, mais jamais elle ne sortira à temps pour gérer cette armée. Et l'engagement qui se prend, les billes corrosives qui tombent du ciel et qui permettent de supprimer les tanks. Mais la bioball qui a la réception en concave. Ah, j'ai l'impression qu'Innovation est en train de signer la fin de Ptak. Ouais. Il est en train de lui terminer son reste d'armée là. C'est quelques ravageurs qui se battent entre eux. C'est ça. Catastrophe. Ah, il y a 4 ultralisques en prod. Ouais, 4 ultralisques qui vont popper sans la carapace quétineuse contre une armée bioball 3-3. Ouais. Bon, ça va être rapide. Hein. Ça va pas être très drôle pour ces vachettes. En théorie, c'est des vachettes qui vont finir plus vite que prévu à l'abattoir. Ah, bah ça va faire tuer, des lasagnes. Tuer trop rapidement. En plus, ça se trouve, elles sont pop sur la B2. Ouais, il y a des chances. Il y a des chances, effectivement. En tous les cas, ici, le T3 qui tombe. Et Ptak qui donne son baroud d'honneur. Tu t'es bien battu, soldat. La Croatie est fière de toi. Mais il est temps de s'incliner face à ton overlord coréen. Il reste un joueur Terran. Hein. Oui, on bien sait sûr. Jamais. Ça se trouve, c'est un génie. Ce soldat s'incline. Oui, ce soldat, exactement. Ce soldat s'incline. Et c'est un autre génie qui va venir marave la tête d'Innovation. Non, mais... We never know. Si c'est le cas, I lose my shit. Attention ici, quelques marines qui prennent à partie l'armée du bon Ptak. Les vachettes qui sont en première ligne, qui reculent pour l'instant. Hey, il va terminer la carapace là s'il continue comme ça. Ouais, mais il aura plus de base quoi. Ouais, bah, il aura la B4. Tu reposes toute ta tech sur la B4. Ça va être compliqué en tous les cas. Ici, les vachettes qui n'ont pas encore la carapace, qui prennent la fight, les libérateurs et les tanks qui sont en place. Le baroud d'honneur de la part du joueur croate qui perd ses vachettes, qui perd ses Roger Ravageurs, qui se sera bien battu jusqu'au bout, mais ici qui tombe en dessous des 30 de pop armés et qui va finir par mourir. Et Ptak qui doit être déçu. GG man. GG man. Bien sûr. Man. My man. Pas mauvais, dude. Tu m'as surpris. Meilleur que ce que je pensais. C'est ça. Parce que tes potes là, pas terrible là. Tes potes coréens, ils étaient pas ouf. Gros, celui qui tape sur le caillou et celui qui fait blink sur Halo TV, bon. Les gars, je veux bien, mais. Au bout d'un moment. Tu sais, tu vois le mec qui envoie un message sur les conscripts à Aeromi. T'es sûr qu'ils sont GM ceux-là? Il faudra vérifier s'ils sont vraiment GM. Ouais, et du coup c'est Uruguay qui va tenter eh bien, de close the deal pour la Corée. On verra si on est capable, mais ça sera après la pub. Une petite page de pub, à tout de suite. On est allé trop vite. On est allé trop vite.
De retour pour cette rencontre entre la Corée et la Croatie, TKL. Qui pensait qu'on y serait encore maintenant? Coca arrête de caresser le petit pylône, il y a des enfants. C'est vrai. Caresse le marine à la place. Non, trop évocateur avec son gros fusil, bien c'est sûr. C'est ça, son gros fusil et puis sa grosse armure. Non, mais qui aurait cru, effectivement? Enfin, 2-2. Là, en théorie, on devait passer au match suivant parce que ça faisait 4 maps. C'est ça. C'était le jeu, c'était ça. C'était 4-0. Pas du tout. Merci la Croatie de vous être inscrit. Tac, est arrivé, tac, a tapé du poing sur la table et a dit « Y'en a marre !» Je ne vais pas subir l'hégémonie des Coréens. Je ne rentrerai pas dans la masse. Je serai celui qui triomphera de la Corée. Bon, à la fin, on lui a mis trois claques sur les fesses. Mais il a mis deux joueurs au tapis. C'est vrai. Ce qui est absolument inattendu. Imaginez le même résultat qui se passe, je ne sais pas, au judo. La Croatie contre le Japon. Est-ce que vous attendez réellement une victoire? Oh, la jauge, 45% d'entre vous disent que la Croatie pourrait l'emporter. Supporte la Croatie en tout cas. Supporte la Croatie. Mais c'est leur pronostic, tu vois. C'est vrai. Donc, c'est chaud. C'est chaud. Continuez à alimenter, hein, bien sûr, avec les hashtags que vous avez vus. Hashtag CoreWin, K-O-R, et hashtag HVRWin, bien sûr, pour la Croatie. Sur Twitter, évidemment. Si vous n'avez pas Twitter, créez-vous un compte Twitter. C'est très important d'avoir Twitter. Voilà, quand on est un fan de StarCraft, après, ça se trouve, vous n'en êtes pas, vous faites ce que vous voulez. Mais bon. Après, quand vous êtes un fan de l'e-sport de manière générale, je pense que c'est intéressant pour suivre l'actualité. L'actualité. Voilà, de l'ensemble de l'e-sport sphère. Bien sûr, le célèbre grand match du Hero 32. Un match bien trop tendu pour cette ouverture des Nation Wars 4, mon bon Coca. Wi-Fi only strong enough to watch. Ah là là, le bâtard. Il a un wifi assez fort pour pouvoir regarder au bord de la piscine. Lui, il a une vie belle. Un petit stream OGTV se cache sur cette photo. Et oui, en bas à droite. À gauche de l'écran, à droite. Oui, ouais, du coup. C'est important. En bas à gauche de l'écran, à droite. Ouais. Santé à la Croatie, respect. Et santé à toi, Instars. Je ne sais pas quelle est ta bière ou si c'est un coca. Je tiens à préciser que je n'ai absolument rien à compenser. Arnacuzzi, bien sûr. Et c'est 5 écrans. Mais j'ai envie de dire que, mec, il y a 4 streams. Deux Français, deux Anglais, donc c'est normal. First actual vacation since summer, Nation Wars 4, and time to relax. Merry SC to Christmas. Merry SC to Christmas, Bosti. Calé devant au gaming SC2. Wallé, hashtag Nation Wars 4, NW4. C'est à cet endroit-là qu'il faut envoyer vos tweets, les amis, pour qu'on les voit. Travail/Nation Wars 4, mon cœur balance. Eh bien, je pense que ton choix doit se tourner vers l'équipe de Croatie. C'est ça, parce que ton travail, tu vas y aller vraisemblablement tous les jours de ta vie, si ce n'est les week-ends et les vacances. La Croatie qui met des maps à la Corée, c'est peut-être le seul jour de ta vie où ça va se produire. OG pour sauver SC2 après la fin de la GSL, SSL et Pro League. La GSL continue en 2017, poulet. Join French President. Just join the road to put. Eh oui. Non mais... sauver SC2, mais mec, je sais pas si tu t'es rendu compte avant d'allumer Nation Wars, mais il y avait Biul, Maru, Dark, T.Y. Et T.Y. en train de streamer du StarCraft 2 sur Twitch. Oui, oui, oui. Alors je sais pas de quoi vous me parlez de sauver C2 qui est en train de se sauver lui-même, mais c'est ça. En tout cas, voilà, vous avez des choses à regarder en tant que viewer. C'est ça. Donc la prochaine fois que vos potes qui jouent à LoL vous taunt à propos. Ou même la prochaine fois que toi-même, en tant que joueur du StarCraft, tu dis que le jeu est mort. Oh merde. La Croatie disqualifiée car Uguay est absent. Le niquage de hype. Ah, Uguay. Ah, Uguay, non, pourquoi? Oh merde. Oh, le niquage de hype. Putain, mais en plus, mais tac, qui ramène le truc des enfers. Uguay qui seront. Je sais pas quoi dire, TKL. Bah, fuck Uguay. Voilà. Peut-être pas, mais bon. Ah, si, mais mec, carrément. J'avoue que ce niquage de hype est quand même extrêmement stylé. Hein. Ah, bah, c'est. Non mais en fait, c'est à l'instar des maps précédentes, c'est complètement improbable, tu vois. C'est... Tu dis, le mec est croate, donc il vit en Europe. Donc, pire des scénarios, il a une ou deux heures de décalage avec la France. Donc, il est tranquillement allé. Il est 17h chez lui, on va admettre. 17h, t'es pas disponible pour faire une game de StarCraft? Qu'est-ce qui se passe? Non, t'as été prévenu quand même que t'allais jouer, tu vois. Genre, ça fait quelque temps que les gens sont au courant. Je suis extrêmement déçu et en même temps mort de rire. Genre, on était tellement chaud. Et mais là, c'est ça. Le mec, c'est celui qui dit un enfant de 3 ans, par contre, le Père Noël n'existe pas. Tu prends attention. C'est exactement ça, tu vois. Le Père Noël n'existe pas et cette année, ton cadeau, c'est une orange. Voilà.
Voilà, Hugo, il vient de nous faire pareil, tu vois. On était tellement chaud. Ah oui. Bon, là, alors, du coup, on va envoyer la petite page de pub et on va s'enchaîner avec le prochain match. Est-ce que tu sais quel est le prochain match, Alex Kish? Non. Ukraine-Russie, le prochain match qui arrivera après une courte page de pub, quelques minutes. Restez dans le coin, les amis. La Russie arrive face à l'Ukraine. À tout de suite. À tout de suite.